Te han enseñado a verlo todo en concepto de buenos y malos. Pero esto que estamos haciendo nosotros sí que te parece bien si lo hace otra gente. En el año 2011, el Banco Central Europeo creó de la nada 171.000 millones de euros de la nada. Igual que estamos haciendo nosotros. Solo que a lo grande. Alors, à quoi correspond ce chiffre? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver ce chiffre dans le rapport annuel de la Banque Centrale Européenne, et ce chiffre correspond aux billets qui ont été imprimés dans la zone euro pour cette année-là. En fait, ce n'est pas la Banque Centrale qui fabrique l'essentiel de la monnaie qui circule dans l'économie. Elle ne crée, en ce sens, qu'une toute petite partie de la monnaie qui circule, un dixième à peu près. Les 9/10 restants, eh bien, c'est de la monnaie créée non pas par la Banque Centrale, mais créée par les banques. Là, dans l'extrait, on a vraiment l'impression qu'en fait, toute la création monétaire n'est le fait que de la planche à billets, actionnée par la Banque Centrale. Bon, c'est une image un peu désuète. ¿Sabes a dónde fue parar todo ese dinero? A los bancos. Directamente de la fábrica. A los más ricos. Dijo alguien que el Banco Central Europeo fuera un ladrón. Inyección de liquidez, lo llamaron. Le professeur, personnage de la série, fait référence au soutien qui a été apporté par la Banque Centrale Européenne aux banques pendant la crise. Cette politique monétaire ultra-accommodante, on a appelé ça le quantitative easing. La Banque Centrale a effectivement fait des injections importantes de liquidités, l'expression est reprise. Injection de liquidités pour essayer de faire repartir l'économie. Le fait que les liquidités injectées par la Banque Centrale Européenne aient surtout profité aux banques et pas suffisamment à l'économie, ça a beaucoup à voir avec la façon dont les banques ont fait évoluer leur activité au cours des dernières décennies. Il est vrai qu'elles se sont détournées des activités de crédit. Aujourd'hui, quand vous prenez le bilan d'une grande banque, à peu près 15% de son actif correspond à du crédit aux entreprises, 5% seulement à du crédit aux PME. Ça signifie, si vous voulez, que ces liquidités obtenues par les banques, finalement, sont restées enfermées dans la sphère financière et ne sont pas venues alimenter suffisamment l'économie réelle. No es nada, Raquel, esto es papel. Es papel, ¿lo ves? Es papel. Yo estoy haciendo una inyección de liquidez. Pero no a la banca. Lo estoy haciendo aquí. En la economía real. De este grupo de desgraciados que es lo que somos, Raquel. Ce que veut faire le professeur, au fond, c'est une sorte de quantitative easing for people. C'est le message d'une association qui plaide pour une réorientation de la politique monétaire de la BCE. Il y a deux options possibles. La BCE peut distribuer des bons d'achat aux citoyens de la zone euro. Comme ça, au moins, la monnaie créée par la Banque centrale se retrouvera en circulation dans l'économie. Et puis, deuxième option, si la Banque centrale conditionnait son soutien à l'obligation pour la banque de financer un projet utile à la croissance, un projet par exemple dans le cadre de la transition écologique, un projet dans le cadre de l'éducation, un projet dans le cadre de la santé, du numérique, etc. Ça viendrait financer la croissance de long terme, qui plus est une croissance soutenable, et cette politique monétaire de la Banque Centrale Européenne profiterait plus directement à l'économie.